Là, j'ai fait des fonds de tarte aux amandes sucrées. Après, un coulant vanille, un biscuit moelleux à la vanille et aux amandes. Et là, je vais faire une ganache montée vanille pour monter sur le dessus sans sucre. Donc, c'est très léger en fait. C'est vraiment ça. Tout ça pour faire quoi au final? Ça sera vraiment... Des petites tartelettes en forme de fleurs. Tout simplement que j'ai calé sur Instagram, ça sera plus pratique. Et celui qui m'a vraiment fait un beau succès. Quand je le mets, il est déjà directement, dès que je le mets en ligne, que je mets ça le week-end, il est déjà vendu d'avance. Donc là, j'ai la fleur vanille, qui est très sympa. Ça, c'est la fleur suprême vanille. Là, ce que je vais faire là tout de suite, c'est celui-ci. Voilà, en présentation. En fait, moi, comment je fonctionne, c'est que les gens, ils passent commande. Donc, sur le site internet, Messenger, Instagram, Facebook, les mails, etc. Et ils viennent retirer sur place ici. Après, un samedi sur deux, j'ouvre mon petit camion magasin devant mon labo parce qu'en fait, je ne peux pas être au marché le samedi. Donc, du coup, je l'ouvre devant chez moi. Et après, le dimanche, en gros, je fais le marché de la Palisse. Voilà. Ouais. Voilà, en gros, comment ça fonctionne. Après, le marché de la Palisse... Moi, ça va faire bientôt 10 ans que je le fais en fromage, donc j'ai une super clientèle et tout. C'est vraiment un marché que j'apprécie parce qu'on a des clients un peu de tous les alentours. Et puis, j'ai une très bonne clientèle. Là, on a le coulant vanille. Après, vous avez un biscuit moelleux aux amandes à la vanille. Vous avez des petites noix du Brésil torréfiées et une petite mousse nuage vanille légère. Voilà. Et là, et là, et là. Trop bon.